Kylian reste à Paris, donc Kylian reste en France. Bravo. Ça, c'est bonne nouvelle. Ça, on aime. Voilà, ça, on aime. Mais alors, à quel prix? À quel prix? Parce qu'aujourd'hui, en France, dévoile les chiffres incroyables, mais vraiment incroyables, du plus gros contrat de l'histoire d'un footballeur. Guillaume, est-ce que tu peux être plus précis là-dessus? Oui, alors il y a déjà une prime à la signature de 180 millions d'euros, wow, payée en 3 saisons. Ça, c'est direct à la signature du contrat. Ensuite, Kylian Mbappé pourrait donc empocher 630 millions d'euros s'il reste au club de la capitale jusqu'à la fin de son engagement. Oh, il s'agit du plus gros contrat signé par un sportif, dépassant celui de Lionel Messi à l'époque du Barça. En 2017, il avait pris 555 millions d'euros sur 4 ans. Ouais. Alors, on parle de 630 millions d'euros et certains disent que ce serait net d'impôts. Oh là là. Alors moi, tu sais que moi, j'ai même des chiffres bonus, c'est-à-dire que tu n'as pas dit, qu'aurait d'ailleurs pesé dans la balance. Ces tickets resto passeraient de 9 à 13 euros. Non. Voilà. Et info à prendre avec des pincettes, je dis bien avec des pincettes, le président Nasser serait en train, au moment où je vous parle, de lui faire fabriquer un mug avec écrit « C'est parti, mon kiki ». Et vous, qu'est-ce que vous feriez, tiens, si vous aviez le nouveau salaire de Kylian Mbappé? On est avec Émilie. Salut Émilie. Salut Guillaume, salut l'équipe. Émilie, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 630 millions d'euros comme Kylian Mbappé? Je partirais à New York, installer un village de Noël dans un grand chalet. Moi, j'adore. Dans un grand manoir, pardon. Et je mettrais plein de chalets, une patinoire, plein d'activités gratuites pour tous. Ah, trop bien. Ça, c'est un beau projet, ça j'aime beaucoup. On est avec Jason aussi, salut Jason. Salut Guillaume, c'est toute l'équipe. Jason, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 630 millions d'euros? Alors moi, je ferais un gros studio de musique, comme c'est une grosse passion que j'ai. Ah ouais? T'es dans le son, toi, Jason? Ouais, c'est ça. Sous le mix, et là, je me suis mis à la prod depuis très longtemps. Ah ouais, j'aime bien. Et donc, tu ferais un grand studio? Ouais, un grand studio, bien placé. Un très grand, 600 millions, c'est un très grand studio. Ah oui, un très gros studio avec tous les derniers instruments, tous les derniers paddles, tout ça qu'il y a. Eh ben, dites-nous, vous aussi, hein, ce que vous feriez avec 630 millions d'euros. Vous êtes très nombreux à réagir sur le hashtag Morning Sans Filtre. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.